La session live acoustique en direct avec The Enjoys. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Tout le groupe est réuni. J'allais dire avec le premier album. Non, il n'est pas encore fini. Il sortira en septembre, mais on va en parler quand même. Donc, tout le groupe est là. Il y a Hugo. Bonjour. C'est toi le chanteur. Il y a Achille. Salut. Avec les dreadlocks. Il y a Aurélien qui a la basse là-bas. Salut. Et puis il y a Flavien qui est le batteur, le cœur, les cœurs. C'est ça. Le batteur. Batteur. Ouais, parce que t'avais un tambourin, mais j'étais pas sûr. Hein, voilà. Donc vous êtes d'ici, vous êtes de la région parisienne, de Paris. Paris, hein, on est Paris, ouais. On a commencé en banlieue, hein, en 93. Hein, ah, groupe de rock dans le 93. C'est rare, hein. Ouais. Et après, on est remonté à Paris, Montmartre. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans qu'on a commencé. Hein. Ah, vous avez commencé jeune, parce que vous n'êtes pas très vieux. Hein. C'est ça, on sortait du conservatoire et on a pris les guitares électriques. Ah, vous avez fait le conservatoire. Ah oui, oui, s'il vous plaît. On a tous commencé à 5 ans. Il y a du hautbois. Là, il y a de la viole de gambe avec ses dreads, là, c'est pas mal. Là-bas, il y a de la flûte traversière et ici, il y a du violoncelle. Voilà. Bah, je dois dire que ça s'entend un peu pendant les balances, là, je dis. C'est quand même des sacrés bons musiciens là. Ça, merci. Ouais, ouais, merci, ça s'entend beaucoup. Que c'est maîtrisé, qu'il y a quelque chose de maîtrisé. Donc on va l'entendre avec la session live. Et alors vous êtes la particularité d'être un groupe qui en ce moment sur le marché internet. Et en fait vous êtes sur un label communautaire. C'est ça. Qui avant s'appelait Nomad Genre Music. Mm-hmm. On avait entendu parler. Maintenant ça a changé de nom. Voilà, c'est Buzz My Band. Buzz My Band. Voilà. Donc c'est pas l'ancien site internet qui est parti avec la caisse, par exemple, non. non, c'est juste le nom qui est plus plus hype, voilà, plus branché. Plus branché. Buzz My Band. Buzz My Band. Voilà. Ok, donc c'est le public qui mise sur vous, enfin sur vous et d'autres groupes, mais vous êtes en tête des mises. Vous êtes... Voilà, c'est ça. Bah en fait, nous, on est passé en mode album. Parce que pour l'instant, c'est plus du single. Là, c'est passé à de l'EP. Donc, c'est du 15 000 euros pour réaliser un EP, 4 ou 5 titres. Mmh. Et nous, en fait, on est passé en mode album. Donc, c'est un plus gros budget pour un plus gros album. Ah ouais. C'est pas mal aussi. Hein. Et en tout, ça fait combien de monde à peu près? Combien de producteurs, en fait? Ça fait 150, 200 à peu près. Mmh. Là, il nous reste pas mal de place, donc vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. Comme je disais, l'album n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini, mais disons qu'on sait ce qu'on va faire sur cet album. Toutes les pré-productions sont terminées, donc on sait comment il va sonner. Et là, on attend d'avoir plus de financement pour finir les enregistrements, en fait. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous avez été faire le tour des maisons de disques traditionnelles? Non. En parallèle ou avant d'être là-dessus? Non. En fait, on a commencé tout de suite à travailler avec eux. Il y avait vraiment un rapport humain. Ils nous ont contactés. On a fait des concerts et c'est une ambiance qui est un peu rare aujourd'hui dans les labels et tout ça. C'est que là, on a vraiment la liberté de faire et d'écrire la musique qu'on a envie d'écrire. Voilà, on a quand même un directeur artistique qui recadre un peu le tout, mais c'est un peu ce qu'on a envie de faire, quoi. D'accord. Donc c'est comme un vrai label. Sauf que le financement vient des auditeurs. C'est ça. Donc c'est de vos aussi, fans. Voilà, c'est assez gratifiant de savoir que les gens qui écoutent la musique, ils ont choisi, nous ont choisi en premier lieu. Donc ça fait avancer les choses. Donc vous avez déjà rencontré les gens qui ont misé sur vous, peut-être dans les concerts, ouais. Bah, dans la famille. Bah oui, ça il faut. non, on a même organisé. Allô, bébé. T'as pas un petit peu de l'argent. Non, on a même organisé un petit concert pour eux. On a rencontré tout le monde. On a même réalisé un clip où on a fait figurer les gens qui ont misé sur nous. Donc non, on connaît un peu. Bon, il y en a qu'on connaît pas. Hein. Mais on les tient au courant parce de tout ce qui se passe. Non, je ne connais pas. Jamais en sous-main, tu sais. Donc non. Mais puis on entretient un rapport avec des mails, tout ça. Donc D'accord. The Enjoys. Donc Bon, c'est encore, on peut encore miser. C'est ouvert. Alors, donc si vous écoutez, si vous aimez, vous allez faire un petit tour sur le site Buzz My Band et on vous écoute en live sur WeFM. Et quel premier titre? Dirty Love. C'est le single qui devrait sortir très prochainement. Once upon a time in the street of my town.
mess up your ride, you realize it don't matter. Justify all the things I do. I'd never pretend to be a fool for you. Don't tell me how to be a good lover. Just show me what you're doing on the cover. Don't cry, baby, I saw you. I feel high when I'm on you. One no girl, just jam it on me. Love is sick, don't come on it. Well, I've got other things to do. I need to be free. Love is sick, forget about it. I say I want you. Avec The Enjoys et ce Dirty Love. Donc, premier titre extrait de l'album qui sortira, donc il devrait être prêt en septembre, si tous les fans, tous les internautes auront misé. On s'inquiète pas. Ouais. Alors, comment. Donc, qu'est-ce que vous avez pris au conservatoire? C'était quoi le répertoire? C'était plutôt musique classique et vous avez mal tourné? Vous êtes mis à faire c'est du rock? Hein, c'est un peu ça, c'est ça? Bah, c'était musique classique, carré, solfège, tout ça pendant 15 longues années. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, voilà, c'est l'adolescence, hein, on appelle ça l'adolescence. On a décidé de s'énerver un petit peu. Donc là, on a pris les guitares électriques et on s'est rencontrés. Et on a commencé à jouer ensemble des trucs, c'était pas terrible. Hein, et quoi, au début? Quels sont les groupes de rock qui vous ont séduit? Séduit, les Beatles nous ont séduits, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, vous avez commencé, oui. Et Rolling Stone aussi, oui, non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas de groupe actuel, pas les Strokes, White Stripes, Muse, je sais pas. De toute façon, il y en a tellement, ouais. Franz Ferdinand, Phoenix, voilà, il y en a des masses et des masses, et puis on écoute. Et la scène rock parisienne, par exemple, qui est en effervescence, non? Pas trop? Est-ce que vous les avez côtoyés déjà? Mais de qui s'agit-il? Ouais. Je sais pas, des bébés brunes, c'est. Ah non. Des Sheds. De Revolver, par exemple. Ah, Revolver, ça c'est Revolver, vous pourriez faire un bœuf ensemble. Oui, ouais. Alors là, tous les ensembles du conservatoire. Prochaine session, on fait un double. Ouais, ils sont très sympas. Ils sont très sympas. Parfait. Parfait. Donc, et alors, ouais, cette nouvelle scène peut-être française, alors plutôt French Touch à la Phoenix. Peut-être que ça peut être votre truc alors. Eh ben, nous déjà, il y a un fait, c'est qu'on chante en anglais quand même. Parce que ouais. Voilà, c'est quelque chose qui. Malgré le premier EP, hein, Made in France. Ouais, mais il était en anglais. Merci. Non, ben c'est vrai que on a toujours apprécié les sonorités anglaises, quoi. Et le français, pour l'instant, on a du mal. Donc sur notre album, il y a un titre en français, mais c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup moins chantant. Et on se retrouve beaucoup plus quand on est en anglais, quoi. Tout simplement, je crois qu'on est un peu fan de cette musique anglaise et américaine. La preuve, tout de suite, avec attention, un gros morceau pour la reprise, surprise, The Enjoys sur WeFM. Là, vous attaquez un gros truc. Là. Attention, soyons bien à l'écoute, c'est en direct sur WeFM. C'est du sérieux. Là. Thank you.
incroyable. On casse des cordes pendant la session acoustique de Wave. Vous avez pas une guitare qui traîne par hasard? Ah non, on est bien emmerdé. Vous avez d'autres questions pendant qu'on change la corde? Non, mais en plus de ça, tu prends un handicap parce qu'en plus de ça, t'as la main bandée. Tu viens de subir une opération. Je viens de subir une opération du petit doigt. Ouais. Donc, du coup, effectivement, je me suis fait enlever des broches il y a deux jours. Donc, c'est pas facile de gratter. Voilà, c'est, c'est un handicap. Drôle de handicap. Tu veux qu'on... Est-ce que vous voulez qu'on passe un titre et on vous retrouve juste après? Faisons comme ça. Ça va être merci ça bien. Va être juste après, ce Walking on the Moon. Yeah. Non, c'est parce que t'es blessé, hein, sinon. Non. Il n'y aura rien eu. Sur IFM avec Walking on the Moon. Allez, la deuxième chance pour la session live. C'est la session live sur IFM. Ils sont partis. Ian Joyce.
Stairway to Heaven. Merci. Merci beaucoup. C'est du live avec The Enjoy, c'est cette deuxième chance pour Stairway to Heaven. Ah, vous êtes attaqué un gros morceau d'entrée, c'est vrai que ça fait peur. Ouais, ça met la pression. Ah, ça met la pression. Tout, c'est quand même là, surtout ici, encore dans sur une autre radio que je ne citerai pas, ça pourrait passer, mais là, c'est vrai qu'on. Là, vous l'avez senti la pression quand même. Mais quand c'est bien. Non, c'est bien. Vous êtes en plus accaparé cette chanson. Donc merci. Il faut le faire. Donc chapeau à vous. Merci. The Enjoys, l'album en septembre. On peut aller donc sur le site Buzz My Band si on veut. On veut être producteur de The Enjoys, produire. Et sinon, vous serez le 25 mai à la Bellevilloise. Voilà, pour une recycling party, c'est-à-dire que les gens rentrent gratuitement s'ils amènent un appareil électronique à recycler. Donc un appareil électronique défectueux. Oui, c'est un. N'importe quoi. Oui, voilà. C'est Buzz My Ben qui s'est associé à l'ERP, qui est une boîte de recyclage, en fait. Et donc, du coup, ils organisent des concerts comme ça. Là, on a une petite tournée qui est prévue et où les concerts sont gratuits à partir du moment où on ramène un vieux portable. Des vieux écouteurs. Après, il y a quoi ? Il y a un vide-grenier Après, c'est leur. J'adore les vide-greniers. Mais il n'y a pas de vinyle aussi. Peut-être. Moi, j'adore les vide-greniers quand il y a des vinyles. Et des électrophones. Non, là, il n'y a que des portables cassés. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Et vous serez en plus avec les Naive New Beaters. That's it. Eux aussi, sont pas mal recyclables. Merci, The Enjoys. Merci d'être passé à vous. Merci à vous.